cette année, crise du Covid-19 oblige, les stations sont fermées, ainsi que les remontées mécaniques. Évidemment, on peut continuer à skier en montagne en faisant du ski de randonnée. Je kiffe trop, c'est trop bien. J'adore. Ça s'improvise pas, il faut connaître la montagne, il faut évidemment du matériel spécifique, il faut se méfier des avalanches. On vous explique tout ça dans cette vidéo pour commencer le ski de randonnée en toute sécurité. C'est un peu magique quand même. C'est accessible. C'est un peu dur quand même. Il faut avoir un petit peu de cardio quand même. Un petit peu d'endurance. Hein. On se part quand même pour des balades d'une heure et demie. Et après, il faut redescendre. C'est sportif, c'est de la marche, on monte. Il faut gérer son souffle. Là, je suis essoufflée. On est en altitude. Après, c'est magique. Il n'y a personne. Je n'ai jamais vu la montagne comme ça, aussi seule. Après, par contre, tu peux rebaisser le rythme, tu vois. Non, c'est plus facile. On a chaussé les skis il y a une heure à peu près en bas au parking. On a fait à peu près 300 mètres de dénivelé. C'est mis à bien neiger. C'est vraiment sympa. Il n'y a personne évidemment. Les stations sont fermées. C'est l'avantage du ski de rando. Ça permet effectivement de découvrir la montagne d'une autre manière. En randonnée, on utilise d'autres fixations que des fixations pour aller sur la piste. Les fixations sont plus légères et elles permettent surtout d'avoir un talon libéré pour pouvoir avoir un mode marche qu'on n'a pas sur une fixation traditionnelle. Donc pour monter en randonnée, il nous faut aussi, au-delà des fixations, une peau de phoque, donc qui est fait maintenant avec du synthétique, et qui du coup permet de nous retenir et ne pas nous faire glisser quand on est en train de monter. La peau de phoque, en fait, c'est encollé, et donc on vient la clipper au bout, et du coup notre ski est prêt pour monter. Extérieur. Voilà. Là, vas-y, appuie doucement à l'intérieur. Merci le ski. C'est très différent du ski alpin. Il faut faire attention à beaucoup de choses au moment de chausser. Bloquer, débloquer. Je n'ai pas assimilé encore en 24 heures tous les termes. Mais oui, il faut faire attention à beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'en ski alpin. Les remontées sont fermées cette année, il n'y a pas de remontée, donc le secteur n'est pas sécurisé, il faut être autonome, c'est du ski de montagne. Donc ça demande quand même un effort de formation pour savoir ce qu'on veut faire et chercher cette autonomie pour pouvoir surmonter tous les petits obstacles qui peuvent se présenter à nous. C'est pas parce qu'il y a des remontées qu'on est sur un secteur qui est sécurisé. Là d'un coup il se met à neiger vraiment fortement, donc sur des terrains aseptisés comme là où on a des repères visuels ça peut aller. Mais d'ici 10 minutes, un quart d'heure, quand on va avoir vraiment un mètre, on peut se perdre. Tout à l'heure, si on doit redescendre quelqu'un qui se fait mal, l'écho ne peut plus voler. Donc c'est à nous d'être autonomes et de pouvoir gérer des situations complexes. Il y a même plus de temps, ça va plus. Voilà. Les principales menaces qu'on trouve en montagne, c'est d'abord soi-même. Il y a la chute, parce que c'est assez facile de chuter dans une conversion un petit peu sur de la neige dure, on peut tomber. Après, il y a de tomber dans des trous. Là, on a vu, on est dans un massif calcaire. Il y a des énormes trous qui s'appellent des lapias. On peut facilement, en skiant, se retrouver au fond d'un trou. Il y a tous les problèmes de glissement de la neige. Ça demande une vraie lecture de pente, surtout à la montée. Même si après, à la descente, ça demande aussi un très bon niveau technique pour pouvoir éviter ces zones ou les skier de façon très brève pour pas s'exposer longtemps. Donc là, on va un par un parce que la pente est exposée à une autre pente un peu raide. Et s'il se passe quelque chose, c'est jamais plus d'une personne dessous. 5 qui cherchent, un dessous, mais pas l'inverse. Donc on n'expose pas 5 personnes, on s'expose qu'un à la fois. Une des problématiques du ski de randonnée, c'est un ensevelissement sous la neige qui est possible. Et donc, pour pallier à cette problématique, il faut qu'on ait un détecteur de victimes en avalanche, un DVA, sur soi. Il a deux modes. Un mode émission, un mode réception. Quand on skie, on est toujours en émission. Et s'il se passe quelque chose, s'il y a une victime dessous, on a tous les autres qui sont capables de se mettre en mode recherche et de venir trouver le DVA. Si on n'a pas ça, on est incapable de savoir où est la personne sous la neige.
Donc c'est essentiel en rando, en autonomie, d'avoir un DVA. Et effectivement, quand on se lance dans le ski de rando, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est pas juste j'achète un DVA, je le possède. C'est bien sûr je l'ai et bien sûr je m'entraîne plusieurs fois par saison. Et c'est quelque chose que je maîtrise parce que on sera la première chaîne de secours si quelque chose se passe. Donc, quand on fait du ski de rando, on a un DVA, une pelle et une sonde et on sait s'en servir, on sait entraîner avec. Quand on commence le ski de rando, c'est très bien d'aller dans des formations, dans des clubs et le faire à plusieurs, mais pas juste se dire « Ah ben tiens, je loue une paire et je vais voir comment ça marche. » Et en club, en groupe, avec des guides, des moniteurs, les Maos, c'est ce qu'on fait aussi. Donc n'hésitez pas à aller vers des formations pour justement apprendre à lire la montagne. Le ski de randonnée, c'est la montée et c'est aussi la descente. On est arrivé à notre objectif, on est arrivé au sommet. Voilà, on a enlevé les pots de phoque et on va descendre dans les pentes qui sont derrière moi, juste là derrière. On va descendre tout ce qu'on a monté en 2 jours.